Bonjour frère et soeur, bienvenue sur Soupan. Ah, waouh, c'est un son, nous entendons beaucoup de choses. Des mystères, encore des mystères. Une femme a vu quelque chose. Et ce qu'elle a vu ressemble à ça. Regardez bien cette image qui se trouve juste ici. Juste là, juste là. Ah! Qu'est-ce que vous voyez? Regardez très très bien cette image. Voyez-vous quelque chose? Les choses sont claires. On peut voir des gens assis. Ouais, ça c'est normal, c'est comme d'habitude. Mais le problème, c'est que quand vous regardez bien cette image, on peut clairement voir juste au milieu une forme. Voyez-vous? Une forme. Et après avoir regardé cette image plusieurs fois, des gens sur les réseaux sociaux ont déduit que cette forme-là correspond à un cercueil. Quoi? Sérieux? Regardez là-bas. Regardez la forme du cercueil là-bas. Et regardez en même temps cette forme qui se trouve juste là au milieu de la table. Et ça se passe, ça se trouve dans un lieu qui est censé être un lieu extraordinaire. Et ça amène les gens à parler. Et les gens sont dit que si c'est ce qu'elle a été dessiné là comme ça, dans cet état, c'est pas pour rien. C'est parce que, en réalité, il y a quelque chose de louche qui se passe ici. Et une femme a vu ça, elle a décidé de nous en parler ici sous forme de témoignage. Ha, 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 ha. Et c'est ce que nous allons écouter. Vous pouvez me dire entre-temps ce que vous en pensez en commentaire. Écoutons ça. Vous allez au palais présidentiel, à la salle de réunion du palais présidentiel, c'est-à-dire la table. La table est autour. Et puis, la table est dessinée. La table est fabriquée de telle enseigne qu'au beau milieu de la table, on retrouve un cercueil. Au palais présidentiel, là où ils font leur conseil de ministre, là. Au beau milieu de la table, tellement ils sont dans le mysticisme. D'accord? Tellement ils sont dans la franc-maçonnerie, la sorcellerie, les marabouts, l'envoûtement, l'empoisonnement. Au beau milieu du conseil des ministres, la table est dessinée de telle sorte qu'on retrouve un cercueil au beau milieu de la table. Mais j'appelle à l'Esprit de Dieu. Le cercueil là, ça n'a qu'à tous vous enterrer. De la. Est-ce qu'on peut jouer avec ces chaînes de choses? Elle a dit que ça se trouve au palais présidentiel, à la salle de réunion du palais présidentiel, non? Hein? Là où les gens font le conseil des ministres. Et que c'est là-bas se trouve ce cercueil. Et pour elle, si cette image de cercueil juste là au milieu, là, là, c'est pas pour rien. C'est parce que les gens sont dans la sorcellerie. Tiens! Mais que se passe-t-il quand des membres du gouvernement sont dans la sorcellerie? Que se passe-t-il? Nous savons tous que les sorciers sont là pour faire du mal, non? Pour lancer les sorts sur les gens. En général, quand il y a des sorciers dans un gouvernement, il y a de mauvaises choses qui se passent dans le pays et personne ne peut en parler. Est-ce que vous avez constaté toutes ces choses-là chez vous? Est-ce que vous croyez à tout ce qu'elle est en train de nous dire? En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, mes frères et sœurs, c'est que ce monde ne nous appartient pas. Ce monde-là, à la tête, se trouve un prince des ténèbres. Et le prince des ténèbres, là, c'est pas Jésus. C'est tout simplement celui-là même qui allait trouver le Seigneur Jésus-Christ dans le désert, là, sous forme de serpent.
C'est lui. C'est lui qui veut nous donner toutes ces nations-là, si et seulement si on se prosterne devant lui. Il y a des choses qui ne trompent pas. La sorcellerie et le mysticisme peuvent être cachés, mais il y a quand même des signes qui ne trompent jamais. Il y a des signes qui ne trompent jamais. C'est pourquoi, quand cette femme a vu ces signes, cette forme juste l'homme, lui du cercueil, elle s'est dit, mais ah! Qu'est-ce qu'il ne voit pas, qu'est-ce qu'il y a? De toutes les formes qui existent sur la terre, vous, c'est la forme du cercueil, vous avez pu vous mettre en milieu. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? En tout cas, ce que vous devez savoir, c'est que le diable marque sa présence. Il ne dit pas qu'il est le diable ou bien qu'il est là. Mais par des signes, vous pouvez savoir qu'il est présent quelque part. Est-ce que vous voyez un peu? Dieu lui-même nous a dit un truc pour nous aider. Il nous a dit qu'on reconnaîtrait un vrai pasteur ou un vrai homme de Dieu par ses œuvres. Ses œuvres-là parlent à sa place. Il n'a pas besoin de nous dire ou nous convaincre que lui, il est une bonne personne ou bien un vrai homme de Dieu. Seules ses œuvres vont témoigner. Parce que ce sont des signes, et ces signes-là parlent. Ce sont des signes qui annoncent des choses. Donc ça ne m'étonne pas. Moi-même, quand j'ai vu la forme, j'ai regardé bien la table. Hein. J'ai cru que c'était de la blague. Hein. J'ai cru que c'était de raconter des histoires. Mais quand j'ai regardé plus précisément, et que j'ai comparé ça avec un cercueil, un autre cercueil que j'ai vu, il dit, waouh, c'est vraiment vrai ce qu'il y a de dire, on dirait. Hein? La religion des hommes riches, c'est le satanisme. La religion des milliardaires, c'est l'occultisme. Hein? Ce monde est vraiment corrompu. Ce monde est vraiment bizarre. En tout cas, vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais c'est une chose qui est de faire le buzz sur les réseaux sociaux. Les gens sont en train de parler où ils parlent. Ils parlent où ils parlent. Ils parlent où ils parlent. Récemment, il y a un grand homme du gouvernement qui est décédé. Les gens disent que, mais ah, vous-même, regardez l'endroit où vous tenez votre réunion. S'il y a un cercueil au milieu, comment vous n'allez pas voyager, vous n'allez pas partir one by one, juste comme ça. Hein? En tout cas, ce que vous devez savoir aussi, c'est que sur la terre, il existe des signes du diable. Les adorateurs du diable montrent la présence du diable au travers des signes. C'est comme une star de la musique aux États-Unis. Elle chantait toujours, elle chante FM un œil. Toujours, elle chante FM un œil. Toujours, elle chante FM un œil. À un moment donné, ses fans l'ont remarqué, ils ont dit, mais ah, toi, quel est le problème de toi? Pourquoi tous les jours, toi, quand tu chantes, tu fermes un œil? À un moment donné, elle dit, mais ah! Qu'est-ce qui n'a pas avec vous? Pourquoi vous insistez? Pourquoi vous me posez toutes ces questions? Et elle s'est mise à rire d'une manière non, que vous ne pouvez pas comprendre. C'est là qu'elle a dit, mais pourquoi me posez-vous toutes ces questions? Ne savez-vous pas que je suis une adoratrice du diable? Quoi? Elle nous a dit ouvertement comme ça que elle est une adoratrice du diable. Et la manière dont elle parlait là, c'est comme si nous étions censés le savoir. Waouh! Ça veut dire que Jean, elle a tenté de nous dire que elle nous a montré des signes déjà. Par son comportement, parce qu'elle mettait de ses clips, pas des signes, pas des signes sans sorcier avec la main. Tout ça, elle nous a montré qui elle est. Elle n'a pas besoin de parler. Mais nous, on a fait semblant d'ignorer ou de ne pas le savoir. Ceux qui ne connaissent pas ces signes seront dans la confusion, seront perdus. Ça veut dire qu'il faut faire attention. On ne suit pas les gens parce qu'il faut les suivre. Il faut d'abord savoir quel est l'esprit qui les guide. Est-ce que ces gens sont guidés par le Saint-Esprit ou ils sont guidés par l'esprit du mal? S'ils sont guidés par l'esprit du mal, ça veut dire que la nuit, ils se retrouvent dans le monde des morts. Et dans le monde des morts là-bas, les gens se retrouvent avec les morts, ouais, les cadavres pour faire des rituels.
des rituels pour avoir des pouvoirs surnaturels de domination de l'humanité. Et souvent, des gens sont amenés à dormir dans des cercueils pour effectuer des voyages jusqu'à dans le monde des morts, le monde des ténèbres. Et le cercueil est devenu comme une porte. Une porte entre ce monde où nous sommes et le monde des ténèbres. Ouais. C'est-à-dire que là, c'est comme si les gens sont assis, des gens là comme ça, devant tout le monde, vous les voyez assis. Mais tout s'est déjà passé en esprit. Et même tout se passe en esprit. Et tout se passe en esprit déjà. Hein. Parce que tout ce que se fait sur la terre, là, se prépare d'abord spirituellement parlant. Avant de venir se réaliser ici physiquement. Donc ça se passe comme ça. Vous pouvez juste voir ça à la télévision. Ceux qui sont curieux, qui sont même étonnés, qui sont même surpris, on dit, mais ah, qu'est-ce que c'est? Est-ce vraiment un cercueil? Est-ce vraiment un cercueil qui se trouve là au milieu? D'autres vont dire, oh non, c'est juste un design, c'est beau, c'est joli, c'est extraordinaire. Mais nous savons tous que dans ce monde, soit vous êtes avec Dieu, soit vous êtes avec le diable. Il n'y a pas 36 solutions. Donc je comprends pourquoi les gens sont chauds. Je comprends pourquoi les gens sont en train d'en parler. En tout cas, si vous voyez des signes du diable sur un pasteur, même si c'est un soi-disant pasteur, vous devez faire attention. Parce que le diable ne viendra jamais vous dire qu'il est le diable. Mais vous allez le remarquer par ses signes, par des signes. Ouais. C'est comme vous, vous allez rendre visite à un prêtre. Vous arrivez chez le prêtre un jour, au moment où il ne s'attend pas à vous. Hein. Vous arrivez là-bas et vous trouvez dans son salon un cercueil ouvert. Un gros cercueil ouvert. Même si c'est vous, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Si vous ne vous êtes pas cherché d'une manière, non. Et Dieu même qui connaît quoi. Ah! Vous avez vu ça? C'est vraiment une chose vraiment trop étrange. Vraiment trop étrange. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Sur Ignace Reborn ici. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et soyez prêts. C'est parti.